Wow, mais je suis où là? Depuis quand il y a des singes dans Minecraft? Bon, vous en doutez, aujourd'hui ça va être loin d'être normal. J'ai préparé des petits trucs. Non mais déjà là, pourquoi il y a des fourmis géantes qui sont en train de kidnapper des feuilles là? Mais qu'est-ce que vous faites? Hop. En vrai, je vais les laisser tranquilles parce que c'est pas du tout ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est plutôt les animaux basiques qui vont nous intéresser. Genre là par exemple, oh voilà, parfait, il y a des cochons. Donc, déjà je vais pouvoir me faire une épée, paf, peut-être une hache aussi. Vous allez voir plutôt ce qui va se passer quand je vais tuer un cochon, par exemple celui qui est juste là, attention, paf. Et hop là, oh, tu as tué un cochon. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Aujourd'hui, j'ai triché dans ma survie Minecraft en faisant apparaître des structures super bizarres. À chaque fois que je tue un animal ou un monstre, ça va faire apparaître un truc en lien avec cet animal. Il y aura bien sûr des pièges et des items spéciaux, sinon c'est pas drôle. Et à chaque fois que quelqu'un clique sur le bouton like, oui. Il y a vraiment une structure énorme qui est genre apparue secrètement quand j'ai tué le cochon. Genre si j'en tue un autre, du coup, attendez, ça va refaire pareil. Du coup, si j'en tue un autre, attention. Oh non, et voilà, ok, il y en a vraiment eu un deuxième. Bon bah, c'est parti déjà pour explorer cette première structure. Déjà, il y a un village de là, j'avais même pas fait gaffe. Mais bon, du coup, dans le cochon, qu'est-ce qu'on va pouvoir tuer tous les moutons et tout après? Mais pour l'instant, on va la laisser tranquille parce qu'on a déjà un cochon à visiter. Non, mais après, par contre, c'est moi où le cochon est vraiment super moche. Mais c'est quoi ce truc? Déjà, tout là, il y a des TNT et tout, ce qui veut dire que la structure va peut-être être piégée. Déjà, ça fait un peu peur, ok. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y avait une échelle pour entrer dans le cochon et j'ai l'impression qu'il y a des pics et qu'il y a un labyrinthe. Non, il y a quoi? Il y a un truc là. Attendez, c'est dangereux tout ça. Attendez, comment je fais? Est-ce que je peux sauter sur les pics là comme ça là? Ouh, ça fait des dégâts, ok. Comment je fais moi pour trouver la suite là? C'est par là. Aïe, 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 non, ok, non. Oh, oh, il y a des échelles par là. Est-ce qu'au moins on peut casser les pics? Il y a des échelles ici, je sais pas du tout si c'est le bon endroit où faut aller. Ok, bah oui, j'ai l'impression que oui. Il y a des échelles pour aller dans la tête du cochon. Et oh, il y a un coffre, parfait. Ok, non mais quoi, ça commence déjà. Épée du cochon. Ça vient à peine de commencer, on a déjà une épée personnalisée. Il y a des diamants et tout ici, mais je veux pas les casser là. J'ai pas de pioche, j'ai rien, non, c'est un peu dommage. Mais du coup, il y avait des moutons, on va pouvoir les tester. Voilà, juste là. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais désolé petit mouton, mais vraiment j'ai une épée. En vrai, j'ai envie de voir, je pense mon épée ce qu'elle fait. Normalement, si je le tape et tout. Oh, regarde, je crois qu'il partait dans le ciel, j'ai pas trop vu. Ok, il s'est passé quoi par contre là? Oh, attendez. Oh, mais non. Mais il y a un géant mouton, regardez. Oh, ça va être trop bien. Donc après le cochon, nous avons le mouton. Donc il a apparu comme ça, ok. Est-ce qu'il y a des échelles pour rentrer dedans? Est-ce qu'on peut rentrer dedans déjà? Non, parce que ce serait trop bête que ce soit juste un géant mouton, mais qui serve à rien. Je regarde un petit peu dehors. Est-ce que peut-être il y a des blocs? Déjà, on peut peut-être récupérer la laine, je pense. Ça peut toujours servir. Comme ça, je pourrais me faire un lit ou des trucs comme ça. Attendez, c'est vide à l'intérieur, je crois. Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur? Attendez, je sais même pas comment on fait pour rentrer. Bon, je pense que pour l'instant, je vais laisser le mouton tranquille et je vais voir au niveau du village s'il y a pas des autres animaux qu'on peut tuer. Il y aurait pas des autres animaux quelque part? Oh, mais il y a une vache ici. Ok, attendez, du coup, par contre, faut qu'on la teste la vache. Est-ce que ça va faire spawner une vache géante, genre une structure de vache? Et ben, on va pouvoir tester ça. Et attention, paf. Ok, ouais, elle est partie. Ok, et oh, ça a rien fait. Peut-être parce que du coup, c'est pas moi qui l'ai tué vu qu'elle est morte toute seule. Je pense que du coup, pour l'instant, je vais utiliser ma vraie épée. Paf, voilà. Oh, tu as tué une vache. Ok, ça fait quoi? Oh, mais non. Vraiment, sur le coup, je regardais là, j'ai vu, oh bah non, ça a rien fait. Et j'ai tourné la tête et il y a une giga vache. Non, mais regardez, genre là, vraiment de base, il y avait une maison. Et maintenant, si tu rentres dans la maison, là, bonjour. Et ben, il y a plus rien dans la maison. Il y a juste un lit par terre. Non, mais d'accord. J'ai même plus à manger là. Non, mais je vais mourir. Et par contre, dans les structures, là, pour l'instant, il y avait rien d'intéressant. Là, dans le cochon, il y avait une épée. Oh, mais voilà. Il y a une porte au niveau de la patte de la vache. Et du coup, est-ce qu'on peut rentrer dedans? Mais oui. Ça continue à l'intérieur, du coup, dans la vache. Ok. Je peux sauter là. Et là, je peux monter là, monter là. Et oh, il y a plein de petites vaches. Alors, je vais pas les tuer parce que du coup, bah, par contre, si je les tue, bah, ça va faire spawner des autres vaches. Du coup, c'est pas trop une bonne idée. Mais là, déjà, je viens de voir que là, on a un coffre. Donc, qu'est-ce qu'on... Oh, on a une épée en vache. Cette épée était vraiment inattendue. Ok. 7 dégâts, c'est pas trop mal. Mais en vrai, elle est un peu moche, regardez. Mais au pire, ça fait quoi? Genre, je vais essayer genre de tuer des vaches. Genre là, comme ça, ok, ça tue des vaches. Ok, bah, je vais vraiment tuer pour l'instant vraiment le max que je peux. Bah, après, bien sûr, ça a dû faire spawner des autres vaches, du coup, si je regarde. Ok. Ah, non, mais oui, non, mais oui. Non, mais clairement, non, mais oui. Ça a fait spawner plein de vaches qui sont toutes dans les dents. Oh, attendez, quoi? Ça fait spawner des... Attendez, quoi? Oh, oh, c'est trop stylé. Ah, mais je suis pas déjà, il y a du bois ici, mais voilà, vite, il m'en faut. Et bon, du coup, mon épée, j'ai l'impression qu'elle a fait un truc un peu spécial. Si je fais clic droit, et bah, ça fait spawner une vache. Bah, ça sert un peu à rien, mais en vrai, ça peut servir. Et si à un moment j'ai besoin de nourriture et tout, j'ai besoin de vaches, juste je fais clic droit et c'est trop bien. Mais avant ça, il me faut quand même vraiment beaucoup de nourriture parce que j'ai pas envie de tuer toutes les vaches, sinon ça va vraiment faire spawner plein de vaches et tout. Je pense pas du tout que ce soit une bonne idée. Tac, tac, tac. Je vais prendre ça pour pouvoir me faire des meilleures haches. Et voilà, 33 baguettes. Mais en vrai, le truc de la vache était super stylé, mais du coup, vraiment, ça veut dire qu'il y a forcément un truc dans le mouton. Là, pour l'instant, dans le mouton, j'ai rien trouvé. Bonjour le mouton, est-ce qu'il y aurait des portes? Non mais sérieusement. Au niveau de la vache, il y avait une porte au niveau de sa patte gauche. Donc là, j'ai vraiment cliqué au pif sur la porte et il y avait vraiment une porte secrète pile ici. Mais du coup, il y avait des portes secrètes genre ah, oh ouais, non mais OK, du coup, on peut monter comme ça dans le mouton. Et qu'est-ce qu'il y aura dans ce mouton? Voilà. Bonjour le mouton. OK. Oh, déjà, il y a un bloc de fer ici, c'est trop bien. Non, par contre, j'ai pas de quoi le casser. Non, j'ai pas de quoi le casser, je suis débile. Là, il y a des trucs et tout de squelette. Apparemment, ouais, oh, il y a des... Ah mais c'est vrai que les pics, ça fait mal. Non, 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 vraiment, laissez-moi passer s'il vous plaît les pics. Là, ça fait très très mal, c'est très piégé comme truc. Aïe, non, aïe, aïe. Et donc là, on a un corps. Et du coup, bah, je peux pas l'ouvrir. Ah, je vais mourir par contre, clairement. C'est hyper dangereux comme truc. Donc là, pour accéder au coffre, il faudrait un code. Mais j'ai clairement pas de code, moi. Non, mais au pire, je vais essayer de le casser. Peut-être qu'on peut le casser. Et genre, peut-être juste, ça va juste dropper ce qu'il y a à l'intérieur.
l'intérieur. Non mais attendez, on peut vraiment pas le casser. Genre là vraiment j'essaye et tout. Non, ça casse pas, c'est pas possible. Comment je vais faire? 0000. Comment je pourrais écrire mouton? Peut-être genre en morse. Bah non, en morse. Oh, peut-être en binaire. Attendez, en binaire. Comment ça marche le binaire? Je sais pas moi. Texte vert binaire. Mouton. Comment on écrit mouton? Paf. 0 1 0 1, 0 1. Oh, c'est enfin ça. Mais c'est bon, j'ai enfin trouvé. Ok, donc on a de la nourriture. Par contre, ça clairement, ça vite, je la prends. Et on a deux pommes en or. Mais c'est nul. Déjà, faut pas que j'oublie ça. Mais pour ça, il me faudrait de la pierre. Du coup, on va devoir en retourner en chercher. Voilà, quelque part. Ok, parfait. Là, il y a une petite cave avec un petit peu de pierre. Voilà, on va prendre ça. J'espère par contre qu'il y aura pas de zombies. Mais au pire, si je croise un zombie, j'ai juste à le tuer pour faire apparaître un énorme zombie. Donc ça va être marrant, mais j'ai quand même pas trop envie de tester pour l'instant. On va juste prendre un peu de pierre pour récupérer les blocs de fer. Et puis voilà. Voilà, déjà juste ça, ça va déjà nous suffire largement. Et maintenant, je retourne vers le mouton. Paf. Voilà. Et maintenant, avec ça, je vais pouvoir casser ça. Voilà, parfait. Vite, c'est bon, je le prends. Et il y en a un autre de l'autre côté ici. Aïe, ça fait mal les pics, voilà. Et puis voilà, on a déjà un petit peu de fer, ça c'est cool. Maintenant, je vais pouvoir me faire une pioche en fer. Et je me souviens qu'au niveau du cochon, il y avait en fait des diamants. Du coup, si je retrouve des cochons, ça devrait être bon. Voilà, là, comme ça, là, parfait, le cochon. Voilà, c'est bon, j'ai tué un cochon. Et maintenant, la structure du cochon géante, elle est juste là. Bonjour. Bonjour, je retourne vous voler vos ressources, monsieur cochon. Voilà, c'était quelque part par là, je crois. On va pouvoir tout casser pour pas mourir. Et donc là, bonjour, je reprends ça. À la limite, il y avait quoi? Non, il y avait juste l'épée, ça j'en ai déjà eu, du coup, pas besoin. Il y a peut-être des trucs cachés, attendez, du coup, là, il y a pas genre des portes secrètes. Non, bah, non, ça, j'en ai pas besoin. Non, j'étais en train de manger ma baguette et bah, je cliquais juste sur le sol, enfin juste pour manger et bah oh, il y a quelque chose ici. Petite trappe secrète qui était cachée vraiment, je sais pas comment j'ai fait pour la trouver, qui nous amène dans une autre salle et il y aura un coffre. Voilà, sans mourir, ok, et on a deux pommes en or, c'est complètement nul, et on a un casque. C'est juste un casque en cuir protection 4, bon honnêtement ça sert un peu à rien, mais je vais toujours le prendre, on sait jamais. Plouf. Oh mais attendez, au pire au village, j'ai oublié quelques animaux. Oh ils sont là mes petits copains, qu'est-ce que tu racontes de beau? Oh bah vous savez ce que ça veut dire. On va pouvoir prendre l'épée en vache. Et c'est parti pour tuer le villageois. Voilà s'il te plaît. Et paf, tu as tué un villageois. Oh non, et maintenant la question c'est qu'est-ce qui va se passer? Oh non, je vois déjà quelque chose. Il y a clairement quelque chose qui est apparu. Oh non. On va essayer de regarder d'un peu plus loin. Bah c'est clairement un villageois. Qu'est-ce qu'on a dans ce géant villageois? Maintenant je vais chercher des portes secrètes un peu partout. Genre je vais cliquer partout là. Voilà comme ça là. Voilà. Non, il y a rien. Ok. Bah au pire vraiment, quitte à tout casser, autant tout casser. Bah voilà, autant vraiment tout casser pour rentrer à l'intérieur. Vraiment on est en survie et tout. J'en ai rien à faire. Moi vraiment je casse tout. Ok, des petites échelles. Et on peut rentrer dans le villageois. Déjà il y a du bois et tout ça, vraiment clairement ça c'est super cool. Il y a pas genre des blocs de diamants ou des trucs, non je pense pas hein. Vraiment c'est que du bois, mais en vrai pour ça c'est que le début. Imaginez genre à la fin quand on va tuer des mobs qui vont être super compliqués à tuer, je pense que ça va être trop bien. Non bah attendez, déjà il y a un villageois juste là, j'avais même pas vu. Bah bonjour. Bon du coup qu'est-ce qu'il nous veut comme villageois? C'est un villageois qui, si on lui donne de la laine et de la TNT, il nous donne une pomme de villageois. Ah ouais, du coup il me faudrait de la laine et de la TNT. Et bah reste là petit villageois, vraiment je vais te chercher tout ça. Voilà, et là plouf. Oh non, le golem, on va pouvoir le tester juste après. De la laine, il y en a clairement partout sur le mouton. C'est un peu logique. Et de la TNT, il y en a aussi au niveau des cochons. Mais voilà, j'ai bien fait du coup de pas la prendre et de pas la gâcher. Au pire, on va vraiment tuer d'autres cochons. Voilà, tranquille. Ah, mais je suis bête, du coup, il y aura aussi plus de blocs de fer. Bah oui, parce qu'en fait, vraiment, on peut tuer plusieurs moutons. Ça fait apparaître plusieurs fois la structure. Oh, ça, c'est trop bien. Ça veut dire que là, je peux juste genre tuer des moutons à l'infini pour après récupérer à l'infini du fer. Et on va vite récolter tout ça. Mais en fait, les blocs gris, vous avez vu, en fait, vraiment, ils sont incassables. Maintenant, il va me falloir un petit peu de TNT. Je sais pas pourquoi le villageois veut autant de TNT, mais c'est un petit peu suspect, mais bon, je vais rien dire. Ok, hein. C'est bon, j'en ai un stack, parfait. Alors par contre, là, il commence à faire nuit, donc ça va être un petit peu dangereux. Mais déjà, bonjour monsieur, voilà. Merci beaucoup pour la pomme en villageois. Je serais ravi de la manger. Bon, moi, je pense que je pourrais la manger directement ici, voilà, paf. Oh, ça fait apparaître un villageois, mais oui, ok. Colin, bonjour Colin, ça va, tu es très beau Colin. Oh, désolé, j'ai pas fait exprès. Oh non, mais vu que je l'ai frappé, du coup, maintenant, il me dit... Mais non, vu que je l'ai frappé, regardez maintenant les prix des trucs, mais non, mais Colin. Donc en fait, tous ces trucs-là, c'est un peu nul, mais si je lui donne déjà un bloc de bois, enfin du coup, 26. Je l'ai un peu frappé. Il va pouvoir me donner un truc de villageois. Et ça peut être un peu pratique. Du coup, on va devoir chercher un petit peu de bois quelque part. Là, je sais pas où il y en a. Il en faut juste 26 comme ça. Bonjour Colin, désolé de t'avoir frappé vraiment. Mais voici ton argent. Et du coup, il fait quoi ce bâton de villageois? Ça transforme tout le sol en bloc d'émeraude. Par contre, du coup, j'ai vraiment pas besoin d'émeraude. Mais voilà, pouf. Ah ouais, non, mais en vrai, c'est assez OP comme truc. Par contre, j'ai clairement pas besoin d'émeraude en fait. Genre, je sais même pas pourquoi il me donnait ça. Mais déjà, c'est toi maintenant qu'on va devoir tester. Monsieur le golem. Eh, en plus, elle a pas mal de durabilité, hein, mon épée en vache, c'est trop cool. Je savais pas que les vaches, vraiment, c'était aussi bien. Voilà. Oh, j'ai tué un golem. Et du coup, maintenant, la question, c'est, il s'est passé quoi? Oh non, déjà, je vois de la lave et tout. Oh, mais non, il y a clairement... Mais quoi? Regardez, il y a un golem géant qui est apparu. Oh, il est trop stylé. Mais du coup, par contre, là, vraiment, si je veux du fer, bah là, vraiment, regardez tout le fer qu'il y a. Oh là là. Non, par contre, le zombie, toi, tu vas t'en aller, toi, le zombie. Allez, viens, petit zombie, là, qu'on te tue gentiment, assez loin du golem pour pas casser le golem, quand même, ce serait bête. Voilà, voilà. Ah, un creeper! Paf! Oh non, regardez, ça fait apparaître des pics sur le sol, mais waouh, oh non.
Non, mais quoi? Ça fait apparaître plein de pics et tout. Oh, aïe, aïe, ça fait mal ces trucs. Attendez, on va aller un peu plus loin pour un peu observer. Ok, donc voici donc à quoi ressemble le zombie. En vrai, il est plutôt stylé. Il y a vraiment une tête de débile. Oh là là. Mais déjà, vraiment, il y a vraiment des blocs d'or et tout. Il y a quoi dedans? Non, du coup, il y a juste un peu de rotel flèche. Il y a vraiment des blocs d'or, mais ça, vraiment, je vais en prendre quelques-uns. Ça pourra toujours servir ça pour la suite. Bonjour, il y a peut-être un truc caché dedans. Je sais pas, moi, en vrai. Bonjour, bonjour. Au moins, niveau nourriture, là, on a. Oh bah voilà. Rotten fish rapier. Oh, c'est quoi ce truc? C'est une épée. Quand tu tapes quelqu'un, ça te donne de la nausée. Je vais la prendre parce qu'on sait jamais. Ok, déjà là, il y a un creeper et tout. Mais je pense déjà, avant de tuer le creeper, on va déjà quand même terminer de visiter ce gros golem. Vraiment, il est énorme, le golem. Non, mais regardez la taille du truc. Genre, attendez, mais vraiment, faut que j'arrive à passer et tout là sans mourir. Ok, déjà, il y a un petit bouton et tout. Bonjour, voilà. Oh, c'est dangereux. Ça, vraiment, il y a des TNT et tout. C'est très dangereux comme truc. Je crois que je suis censé sauter sur les TNT et tout. Par contre, j'ai vraiment trop peur. Du coup, on va vraiment monter normalement comme ça. J'ai trop peur. C'est hyper dangereux comme truc. Ok, on va monter là. Ok, là, il y a quoi? Là, il y a des trucs. Ok, il y a des échelles. Oh, il y a encore des pics et tout. C'est très dangereux. Et donc là, on a un coffre avec à l'intérieur des livres efficacité 5 et c'est tout. Il y a vraiment que des livres efficacité 5. Bon, bah, ok. Hein. Je pense que ça sert un peu à rien en vrai. Mais en vrai, le vrai truc qui sert, c'est clairement les blocs de fer ici. Parce que vraiment, le golem, bah, il est vraiment rempli de blocs de fer. Et par contre, à chaque fois que je suis dans une structure, du coup, je dois redescendre. Du coup, c'est hyper compliqué. Genre, je dois vraiment descendre comme ça là avec mon pseudo et tout sans mourir. C'est hyper compliqué. Il y aurait pas un truc pour. Ah, il y aurait pas un truc pour descendre plus vite. Attendez, mais qu'est-ce que je vois là? Viens par là qu'on casse pas le village. Petit. Je pense que là, c'est un bon endroit pour faire apparaître une structure de poulet. Du coup, mon épée de zombie et paf, tu as tué un poulet. Yes. Et du coup, ça a fait quoi? Attention. Oh, ça fait apparaître un géant poulet juste là, vraiment comme ça, tranquillou. Oh, mais attendez, mais il y a vraiment des blocs de fer. Ok, ça par contre, ça peut être super cool. Mais en vrai, j'ai plus trop besoin de fer parce que bah, j'ai clairement eu beaucoup de fer au niveau du golem. Mais là, voilà, il y a aussi des blocs de fer, il y a aussi un petit peu de laine, il y a des petites pattes et tout. Oh, mais il y a une échelle juste là pour rentrer secrètement dans le poulet. Bonjour, bonjour. Oh, bonjour les poulets, vous voulez ça? Voilà, je vais un petit peu vous donner à manger. Voilà, prenez tout ça. Et j'ai l'impression que là, on a un jump qui a l'air d'être assez facile. Hein, vraiment, on peut juste sauter là, comme ça, comme ça. Et là, on a un coffre avec à l'intérieur plein de poulets. Ok, ça c'est cool, vraiment pour avoir un petit peu de nourriture. Et il y a aussi surtout là au milieu une pioche en poulet. Cote, cote. Du coup, elle fait quoi comme pioche? Est-ce que je peux casser des trucs avec et tout? Ouais, on peut casser comme une pioche normale. Clic droit, ça fait pas apparaître de poulet. Non, ça sert un peu à rien. Ça sert un peu à rien, dommage. Oh, attendez. Je crois qu'il y a un truc spécial. Et si par contre je prends ma pioche dans la main et que je saute, et vous avez vu, je descends tout lentement. Et j'ai pas de dégâts de chute. Ça c'est pratique, ça vraiment, ça c'est une super pioche en poulet. J'ai l'impression qu'elle casse un peu plus vite qu'une pioche en fer. C'est peut-être un petit peu comme une pioche en diamant. Ouais, j'ai l'impression quand même que c'est assez rapide. Et bah voilà, encore un bon item. Déjà, en vrai, ce truc-là, déjà, j'en ai clairement plus besoin. Mais déjà, au pire, les cochons qui sont là, voilà. Maintenant, je peux remonter là, comme ça, voilà. Voilà, je vais aussi prendre les pommes d'or qu'il y avait ici, ça peut toujours servir. Est-ce que je peux, du coup, mettre un truc efficacité 5? Non, que ça coûte 5 niveaux. Non, j'ai pas 5 niveaux, moi, zut. Et vraiment, j'étais en train de me dire que le truc du villageois, vraiment, il a servi à rien. Mais là, j'ai besoin de 5 niveaux et je peux dire que clairement, ça va bien servir. Ok, si, c'est bon, ça donne des XP quand je le casse avec la bonne pioche. Ok, si, c'est bon. Et maintenant, on a une pioche en poulet, efficacité 5. Et maintenant, du coup, j'ai envie de tester le creeper, le squelette, l'enderman, tous les trucs comme ça, là, de quoi? On va descendre comme ça sans mourir, voilà. Trop pratique en vrai, la pioche et tout, tu descends là comme ça, ok. Petit squelette. Oh, il y en a deux, par contre, ça va faire assez mal, non? Aïe. Ah, et du coup, ça a fait quoi? Et bah, ça a fait spawner un géant squelette. Déjà, qu'est-ce qu'on a ici dans les barils? Ok, des flèches, ça peut être super cool. Ok, il y a des dripstones, il y a des trucs. Ok, il y a du diamant ici. J'en ai peut-être besoin. En vrai, je vais en prendre un petit peu, voilà, vraiment, merci, je vais prendre tout ça. Il y aura peut-être un truc caché là dans le truc du squelette, parce que tout à l'heure, il y avait une épée cachée là. Du coup, c'était une épée un peu nulle, mais là, je suis sûr qu'il y aura un truc caché. Oh, mais voilà. C'est un arc Artemis Power 5. Faudrait que je le teste sur quelqu'un, bah, sur le zombie qui est juste là, et paf! Paf! Ok, ça, oh, c'est bon, ça a marché. Mais du coup, ça a cassé mon squelette. Mais non, mais le zombie, mais non, j'aurais pas dû tuer le zombie là. Ça a cassé tous mes trucs. Du coup, il y a peut-être des trucs à l'intérieur, je sais pas. Maintenant, il y a rien, j'ai l'impression. Hein. Mais en vrai, mon arc, sinon, il marche super bien. Là, voilà, parfait. Ça a vraiment tué en un seul coup, c'est trop bien. Maintenant, il me faudrait un creeper. Vraiment, depuis le début, je balade sans armure alors que, bah, j'ai de quoi me faire du bon stuff, quoi. Du coup, bah, heureusement que j'ai ma vraie pioche. Parce que, ouais, la pioche en poulet, en fait, elle est un peu nulle. En même temps, tu me diras casser des blocs d'or avec des plumes, forcément, c'est un peu débile comme idée. Oh, bah, il y a un creeper juste là. Attendez, je vais genre partir très loin là comme ça là. Ah, ah, explose pas. Ok, explose pas. Allez, petit creeper, viens là, voilà. Ah, ok, deuxième coup. Paf, tu as tué un creeper, yes. Et du coup, ça a fait quoi? Ça a remplacé le sol avec des blocs d'herbe et ça a fait apparaître des tortues et ça a fait apparaître un creeper géant. C'est vraiment bizarre, ça. Pourquoi il y a des tortues? Regardez, vraiment, il y a plein de tortues partout là. C'est quoi? C'est vraiment des tortues modées spéciales, quoi. Il y a rien. Est-ce qu'il y aurait une porte secrète au niveau du creeper? Parce que là, il y a pas de ressources. À la limite, il y a peut-être un peu de gravier et tout. Ça peut être cool, tout ça. Voilà, des graviers. Ah, non mais multicorps, tu triches, t'as encore tout ton stuff. Bah ouais. C'était là, peut-être. Là, bonjour. Non, c'était clairement pas là. Faut pas que je meure encore une fois là. C'est trop dangereux là, les caves et tout. Il y a trop de trucs. C'est vraiment là où j'étais. Hop, voilà. Et moi, c'est super. En plus, j'ai ma pioche. Regarde, je peux descendre comme ça là. Et fiu, regardez, je vole et tout. Fiu, fiu. Et par contre, vraiment, comment j'ai fait pour mourir? Genre, le creeper, il a explosé. Genre, regarde, c'est genre le gravier qui a explosé. Mais non. Du coup, par contre, t'as du gravier et tout ça pour me faire un briquet. Ça peut être pratique pour aller dans le Nether. Mais il y a trop de mobs qui apparaissent. Bonjour ici. Non, il y a vraiment rien. Non, mais il y a vraiment rien. J'entends un lac de lave quelque part sur la droite. Et vu que je suis un pro, bah, on va pouvoir faire un super portail du machin. Non, pas comme ça. Non, pas comme les débiles. Et donc là, juste faire pouf, pouf, pouf. Et puis voilà. Et puis voilà, sans plus attendre, on va pouvoir aller dans le. Non, mais attendez, mais sérieusement, c'est quoi ce spawn? Non, mais sérieusement. Non, mais attendez, on dirait juste que je triche.
Bon, qu'est-ce qu'on a comme animaux à tuer dans le Nether? Déjà, moi, je pense clairement à ces petits cochons zombies. Regardez, ils sont très très stylés. Attention, et paf, voilà, est-ce que je saute? Ah, j'ai très très peur, ok, je saute là. Non, ah, c'est dangereux. Ah, non, c'est bon. Oh, j'ai eu tellement peur. Oh là là, oh, c'est bon. Donc, on a des cochons zombies ici. Le problème, c'est que si je les tue pas en un seul coup, bah, du coup, ils vont savoir que c'est moi qui a. C'est quoi ce truc? Pourquoi je suis attaqué par des machins bizarres? Non, mais c'est bon. Allez, mourez, s'il vous plaît. Tu as tué un pigman. Yes, ça a marché. Parce que là, ça n'a rien changé. Il y a rien de. Ça a rien fait, j'ai l'impression. Voilà, lumière allumée. Ok, ah bah. C'est quoi? Je vais quand même lui voler un peu l'or qu'il y a dans son épée parce qu'il a une épée en or. Et bah, moi, clairement, je dis pas non. Ah, mais c'est trop bien en plus, ma pioche du coup, elle casse instantanément. Ok, ça c'est trop bien, ça voilà. Petit Blaze. Petit Blaze, voilà, vraiment, je pense qu'il faut juste que j'en tue un et je devrais avoir du coup une super structure. Aïe, non. Ok, par contre, faut que j'arrive à récupérer ça là. Voilà, hop, ok, c'est bon, je l'ai eu. Et du coup, ça fait apparaître un Blaze géant. Alors, par contre, je suis déçu, hein, je m'attendais à des coffres avec plein de Blaze Rod et tout. Là, il y a clairement pas de Blaze Rod, il y a juste des vieux blocs jaunes et tout. C'est un peu nul. Est-ce qu'il y aura des trucs cachés là? Voilà, bonjour, bonjour. Non, y a rien. Oh, mais oui, il y a clairement un coffre tout en haut sur sa tête. Et dans ce coffre, et bah, y a une pomme de Blaze. Et il y a un papier qui dit regarde vers les yeux du Blaze. Ah, ça peut être cool, ça par contre. Ça peut valoir le coup, ça. Bon, on va pouvoir manger la pomme de Blaze, attention, et paf. Ça n'a rien fait. D'accord. Oh, si, ça m'a donné des effets en haut à droite. Ça m'a donné de la résistance au feu à l'infini et d'un lava walker à l'infini. C'est trop bien. Et donc, attendez, ça veut dire que du coup, mon truc de résistance au feu, ça veut dire que si je saute dans la lave, je vais juste survivre. Allons dans la lave, attention, et je marche. Bah oui, non, mais forcément. Ah, bah attendez, déjà, il y a un autre Blaze juste là. Voilà, et paf. Regarde vers les yeux du Blaze. Ça voudrait dire que je dois aller regarder dans ses yeux. Peut-être qu'il y aura une trappe secrète, une porte secrète comme tout à l'heure, je pense. Les yeux du Blaze, et bah c'est ça, ses yeux, voilà, bonjour. Parce que là, vraiment, je suis au niveau de ses yeux et je suis désolé, il n'y a pas de coffre secret, donc il y a clairement un truc sacré caché. Oh, ok, il y a des Blaze Rods. Du coup, dans le deuxième œil, et bah on a aussi, du coup, deux Blaze Rods. Ok, il y a plein de Blaze en bas, mais je crois que j'en ai pas besoin parce que vraiment, juste là, dans les yeux, regardez, paf, mais voilà, voilà, parfait, il y a encore des Blaze Rods, mais oui, tranquille. Non, il y a un Wizard Squelette qui m'attaque. Non, mais arrête, aïe. Paf, paf, tu as tué un Wizard Squelette. Yes, ça marche vraiment. Mais arrête de me tirer dessus, toi. Non, attendez, du coup, ça a fait quoi? Du coup, j'ai même pas pu voir. Il y a plein de. Oh, mais il y a même carrément des trucs de netherite. Attendez, ça, clairement, il me les faut, ça. Il y a un peu de fer ici, mais j'en ai plus besoin du fer, hein. Vraiment, c'est un peu inutile. Wow, c'est quoi ce truc? Je me fais attaquer par un espèce de serpent de la lave. Non, mais il y a trop de trucs qui ça va pas. Hein. Moi, je cherche des piglins, là, les petits cochons qui font groin. Me fait peur qu'il y a pas de piglins. Voilà, il y en a enfin juste là. Mais bon. Bon, tu veux quoi, toi? Tu veux m'attaquer? Bah, alors, si tu veux jouer à ça. Et du coup, ça a fait quoi, le piglin? Ça a fait apparaître un piglin dans sa tête. Il est trop stylé. Il a vraiment une tête de débile, mais non, mais regardez, en vrai, il est trop bien. Et maintenant, si vous voulez des petits trucs, ça, vous voulez de l'or, et bah prenez ça, voilà. Prenez un petit peu d'or, voilà. Mais arrête de m'attaquer! Attendez, mais il y a un ghast juste là par contre. Comment du coup, ça fait quoi si je le tue? Attendez, paf! Oh, j'ai tué un ghast! Allez, vite, enlève-toi, le noir, il va. Mais voilà, ça fait apparaître un ghast avec une boule de feu! Il est un peu moche quand même, mais chut, personne ne le dit. Chut. Je vais récolter un peu plus de blocs d'or là. Je vais leur donner un peu d'or, mais en vrai, honnêtement, j'en ai pas besoin. Déjà, par contre, pourquoi il y a autant de ghast? Attendez, il y en a un autre là, il y en a un autre là. Mais du coup, déjà, ce ghast là, oh, il y a des blocs de netherite! Mais du coup, maintenant, faudrait que je trouve des Enderman quelque part là. Il y aurait pas une forêt Enderman ou un truc. Et pourquoi il y a autant de Blaze dans cette forteresse là? Mais arrêtez, mais laissez-moi tranquille. 1 hour later. Bonjour Enderman, tu veux pas être une structure s'il te plaît quelque part, non? Oh bah bonjour, je te fixe, il me voit pas, il est débile, mais regarde, je suis là. Ouh, c'est bon, je l'ai tué. Ah oui, non, mais là l'Enderman en fait c'est un giga, regardez, ça a carrément mis de l'end et tout de partout. Et du coup, bah je suppose que ça c'est un Enderman. Non mais regardez sa tête de débile. Il me fallait des Enderpearls, et bah il y en a plein partout, il y en a plein. Ah ouais, non mais c'est bon, non mais c'est bon là. Bonjour, non, il y a rien. Attendez, déjà il y a un coffre, je l'avais même pas vu. Oh, j'ai mon épée Enderman. Et si je fais clic droit genre là, et bah pouf. Ah, oh, c'est trop bien. Mais là vraiment avec ça, c'est bon, je suis juste immortel en fait. En plus ça fait pas mal de dégâts et tout, c'est trop bien. Mais regardez dans la lave là, mais il est partout. Mais laisse-moi tranquille. Direction le monde normal, voilà, paf paf. C'est trop stylé par contre, vraiment genre le portail et tout, genre il est magique, genre paf, tu rentres et tout. Oh, c'est tellement stylé. Mais bon, maintenant il faut trouver le truc du Stronghold et tout pour pouvoir tuer le dragon. Et paf. Alors, il est toujours par là le Stronghold. Bah oui, toujours par là, ça ne change pas. En vrai, c'est rapide de se déplacer comme ça parce que tu as vraiment juste à lancer et paf, tu te téléportes. Oh mais attendez, c'est pas super rare, ça c'est vraiment un manoir géant. Et bah bonjour. Non mais regardez-moi la taille de la cave, genre vraiment j'ai waouh. Oh oh, il est vraiment là. Ah bah voilà, c'est juste là, parfait. Voilà, adieu les silverfish. J'ai utilisé mon épée pour me téléporter ici et paf, et après hop là comme ça, voilà, que tu l'as tendu et tout, et puis après pouf. Ah, bon, honnêtement, qui t'a triché, autant vraiment tricher, voilà. Je suis juste trop fort. Et maintenant t'as 5 secondes pour cliquer sur cette vidéo. Voilà, du coup elle va être très très bien, je te promets, elle va être géniale.